Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V PC avec un mode menu. Donc dans cette vidéo, je vais être clair d'entrée de jeu. Les véhicules que vous voyez en face de vous sont des véhicules que j'ai fait spawn avec un mode menu PC. Donc c'est des véhicules avec les versions IRL. Ce ne sont pas les versions de GTA Online. Ce sont les versions IRL. C'est pour vous donner un petit aperçu de ce que ça pourrait donner sur GTA Online. Dans les jours à venir, donc à partir de mardi, après on ne sait pas comment les véhicules vont sortir et combien seront disponibles dès la sortie du DLC mardi. Mais voilà, je trouve que c'est mieux de vous le montrer comme ça in-game, comme ça vous avez déjà un petit aperçu, un petit aspect de comment le véhicule va, à quoi il va ressembler, sa taille, sa forme. Voilà, après on fera un petit tour intérieur et puis je ferai un petit tour de circuit en off tout à l'heure. Donc voilà. Donc une que je vous avais déjà montré, donc en tout, faut savoir qu'on connaît déjà 8 véhicules. Donc il y a les 6 que je vous montre là. Alors attendez, non. Donc il y a même 9 véhicules en fait. Il y a les 6 que je vous montre là et deux autres, la Cox Ratrod, je ne l'avais pas en mode menu, donc j'ai pas pu vous la faire spawn, donc on en parlera vite fait en fin de vidéo. Ainsi que le Chevrolet Beast, qui n'est pas non plus disponible dans les mods. Donc c'est le gros 4x4, vous savez. Donc lui pareil, on y reviendra vite fait en image tout à l'heure pour vous montrer que c'est bien le Chevrolet Beast. Et on a aussi l'hélicoptère, donc en tout on connaît 9 véhicules. Et donc le nouvel hélicoptère qui est un MD-902, merci à un abonné, je ne me rappelle plus son pseudo du coup, qui me l'a donné en commentaire sur la vidéo d'hier soir. Donc voilà, merci à lui. Et merci à vous tous qui avez donné les marques et modèles. J'ai pu faire le tri et prendre celle qui me semblait le plus juste. Et donc voilà, on a déjà un bel aperçu d'une partie des véhicules du DLC. Je pense qu'il y en aura une quinzaine, voire 20 maximum de véhicules pour ce DLC. En tout cas voilà, allez, on est parti. On démarre avec la Lamborghini Countach 2022. Je vous l'avais déjà présenté en vidéo. Donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez voir une vidéo complète sur la voiture. Je vous avais montré l'intérieur et tout, les portes ouvertes et tout ça. Donc voilà, là on va pas trop s'attarder hein, sur chaque modèle parce que sinon ça va être très long. Puis ça sert pas à grand chose puisque de toute façon on sera vite mardi et qu'on va vite les découvrir in-game quoi. Ensuite, on a donc la Audi e-tron qui est donc le véhicule qu'on voit dans la vitrine du trailer. Voilà, je vous mettrai de toute façon l'image dans un coin de la vidéo. Et donc ce sera une Audi e-tron GT. Voilà, donc ce sera une électrique, pardon. Donc je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, voilà. Alors par contre, je suis curieux de voir si ils vont faire l'allumage des feux arrière comme ils se font en vrai. Parce que vous verrez tout à l'heure en vidéo que c'est vraiment classe l'allumage des feux arrière. En tout cas, voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et franchement, elle est costaud quand même, hein. L'intérieur par contre est orange, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, en tout cas, elle a de la gueule. Et elle est plutôt stylée, vraiment. Elle fait vraiment plaisir. Ensuite, on a la Audi R8 V10. Voilà, donc c'est la nouvelle Obey F10, ça s'appellera comme ça d'ailleurs, donc pour V10. Et vu qu'on avait eu la F8 et la F9, là on aura la F10. Donc là, celle que vous voyez, c'est une Audi R8 avec les custom ABT. Donc c'est pour ça que c'est pas le modèle de 2022 en fait, hein. J'ai pris le modèle qui ressemblait le plus, qui s'y rapprochait le plus. Donc elle s'y rapproche quand même pas mal au niveau des pare-chocs et tout. Par rapport à celle qu'il y a dans GTA Online, qu'on peut voir pendant une course. Je sais plus où exactement le nom de l'endroit où c'est. C'est près des raffineries, je vous mettrai l'image de toute façon à côté. Voilà, donc c'est le modèle qui s'y rapprochait le plus. Donc voilà, après je vous ai mis les véhicules de la même couleur que dans le trailer, histoire que ça aide un petit peu mieux à repérer les véhicules. Et voilà, franchement, elle a de la gueule, et puis voilà, encore une fois, bon, c'est des mods, donc c'est vraiment très très propre intérieur-extérieur, hein, vous allez voir, on va monter dedans, on va les tester rapidement après, voilà, c'est stylé, c'est vraiment bien fini, c'est du sacré boulot, quoi. Donc ça, c'était pour la deuxième Obey. Ensuite, on aura une Camaro SS ZL1 de 2022, normalement. Donc elle n'est pas exactement comme ça, hein. Il faut savoir qu'en fait la 2022, vous avez les LED qui sont en dessous des phares là, qui sont au lieu d'être horizontales, sont verticales. Donc c'est pas le modèle exact que vous avez en face, hein. Par rapport à l'image que je vous mets à côté, celle où on la voit se faire poursuivre avec des buffalos derrière.
C'est pas le modèle exact, mais il s'y rapproche quand même pas mal, hein, voilà. Mais bon, c'est histoire que vous voyez un peu ce que ça donne, quoi. Le but, c'est de se donner un aperçu. Après, on n'a pas forcément les modèles exacts, mais c'est d'avoir un aperçu et de se donner une idée sur ce que ça va donner in-game. De toute façon, après, ce qui se passera, c'est quand le DLC va sortir, je vais aller récupérer les véhicules dans les fichiers, je vous les montrerai en vidéo, en vue 3D. Ensuite, dès que j'aurai la possibilité de vous les montrer in-game, bah, au même endroit qu'ici, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo avec tous les véhicules du DLC in-game qui sortiront dans les semaines à venir. Et donc, je vous présenterai ici même, avec pareil, une visite intérieure-extérieure, et puis un petit tour de circuit, comme j'ai l'habitude de faire et que les abonnés habituels ont l'habitude de voir à chaque DLC, et qui est à chaque fois fortement apprécié. Donc voilà pour la Camaro SS. Donc, comme je vous l'ai dit, juste les anti-brouillards qui ne sont pas positionnés de la même manière. Mais voilà, les phares s'allument de la même manière, les LED autour aussi. Donc ça y ressemble quand même fortement. Voilà. Ensuite, on a la Mercedes SLR Stirling Moss. Donc en clair, c'est la McLaren Mercedes. Hein. Donc nous, in-game, avec l'image qu'on voit là, on la voit à deux endroits. On la voit aussi de dos pendant une course, la même course où il y a justement la Obey F10, donc la Audi R8. V10 et la Lamborghini Countach 2022. Et donc, on la voit de dos vite fait, mais on la voit plus en image sur la bannière du DLC. Donc voilà, c'est une Mercedes, McLaren Mercedes. Donc voilà. Ce sera par contre in-game, on le voit bien, ce sera une... Merde. Putain, je m'en rappelle plus du nom. Benefactor. Voilà, ce sera pas une progène, mais bien une Benefactor. Donc, eh ben, écoutez, voilà, elle a de la gueule aussi, hein. Faudra voir in-game ce que ça donnera. Mais ça fait plaisir, un petit coupé comme ça, décapotable. Je vois bien la Taran avec un casque de pilote, là. Petite dédicace au poteau de la Taran. Avec un casque de pilote et son perso, là, rouler avec ça. Je le vois bien, je le vois très très bien même. Lui qui est souvent avec sa Cobra AC, avec son casque et tout là, en mode années 70-80 là. Donc voilà les amis, petit aperçu de ces véhicules. Ça fait bien bien plaisir. Je vous montre un petit peu l'arrière de tous. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, à lâcher le pouce du soutien. Hop, allez, après, alors là j'ai eu pas mal de doutes. Moi j'ai décidé de prendre celle-ci parce que je pense que c'est celle qui ressemble le plus, même si on a l'impression dans les images que je vais vous mettre sur l'écran que la calandre est plus. Le nez est beaucoup plus plat que celle-là. Alors les autres modèles qu'on m'a donné, comme la Buick Riviera, dédicace au Breaker qui me l'a mis en commentaire, je suis pas d'accord parce que en fait ce qui se passe c'est que sur ta Buick Riviera, poteau, t'as les clignotants en dessous. Alors que sur le modèle de GTA Online, on voit bien qu'il n'y a pas non plus les clignotants comme celle-ci là qu'on voit actuellement en face de nous. Donc celle que vous voyez en face de vous, c'est une Chevrolet Monte Carlo de 1977. Donc voilà, elle va se rapprocher. À mon avis, c'est un mélange de deux modèles, hein, cette future voiture qui arrivera. Donc là, bon, là, c'est la version IRL, donc forcément c'est une vraie. Mais on aura peut-être un mélange de deux modèles, ce qui fait qu'on n'est pas sûr à 100% du modèle exact. Voilà, donc moi je vous ai pris celle qui se rapprochait le plus, vous l'aurez compris. Mais bon, voilà, hein, ça a de la gueule. Bon, je vous l'ai mis de la couleur verte comme sur les images du Newswire, donc voilà, soyez pas choqués, j'aurais peut-être dû vous la mettre noire plutôt. Mais bon, on avait déjà une noire, donc ça me gênait un peu de mettre que du noir. Mais voilà, au moins vous voyez un petit peu ce que ça donne aussi. Voilà, hein, je pense que ça va plaire à pas mal de monde aussi, ceux qui sont fans des. Les anciennes muscle cars, voilà. Classique, ça fait bien plaisir, quoi. C'est des belles bagnoles. Donc, maintenant, on va se pencher sur chaque véhicule où je vais vous mettre une petite vidéo en fond. Voilà. Comme ça, vous allez voir. Je vais vous mettre à côté du véhicule. Donc là, je vais mettre l'attaque. Pour la Countach, je vous l'avais déjà vu. Et je vous mets une vidéo de 10-15 secondes. Comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne, quoi.
Donc là, évidemment, vous avez vu, comme pour la Audi avant, vous avez vu les vrais modèles IRL et les modèles exacts. Hein. C'est pour ça que vous allez peut-être vous dire, ouais, mais ils ne ressemblent pas à ceux qui montent dans le jeu. Oui, c'est normal, je vous l'ai expliqué déjà. Donc par exemple, celle-ci, c'est un modèle de 2020, c'est pas le modèle de 2022. Là, on va vraiment avoir des modèles de 2022, que ce soit pour la Camaro ou pour la Audi R8 V10. Ensuite, donc les trois autres véhicules que je vous ai pas fait spawn, que je pouvais pas vous faire spawn sur le jeu, les voici. Donc on démarre avec le gros 4x4, je sais qu'il a beaucoup plu, donc c'est celui-ci, qui sera donc un D-Class et pas un Dungready, comme j'ai dit. Excusez-moi, effectivement, vous avez bien fait de me reprendre, oui, je sais pas pourquoi j'ai dit l'autre marque, mais oui, c'est bien un D-Class. Et donc c'est ce modèle-là, ce sera donc un Chevrolet Beast, voilà, et franchement, il est incroyable. Il est vraiment. Il ressemble quand même beaucoup à celui qu'on a in-game, hein. Donc, il est vraiment vraiment beau quoi. Avec les LED un peu partout là, il est vraiment mastoc. Mais de chez mastoc quoi. Je vous mets aussi une photo de l'arrière, comme ça vous voyez un peu ce que ça, à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça c'est pour le premier véhicule que je peux pas vous montrer. Ensuite, on a le deuxième qu'on a vu in-game en plein milieu d'explosion. Ce sera donc une Cox Ratrod, probablement une amélioration qu'on pourra faire chez Benny's Original Motorworks, je pense. Ça me paraît très logique. Et donc voilà, ça donne un petit peu ça. Bon là, j'ai qu'une photo hein, IRL parce qu'il y a tellement de modèles. J'ai pris le modèle qui y ressemblait un maximum, même si celle in-game, elle a un capot. Là, bon, il y a le moteur qui ressort. Hein. Mais voilà, au moins vous avez un modèle le plus ressemblant possible, donc ça va donner un petit peu ça, quoi. Des méga roues, un véhicule posé au sol. Franchement, ça a l'air méchant. J'ai hâte de voir ça hein, en vrai in-game. Hein, ça a de la gueule. Donc ça, c'était pour la dernière voiture qu'on connaît actuellement. Ensuite, on avait l'hélicoptère. Donc là, j'ai vu beaucoup de commentaires, comme quoi vous me disiez que c'était un hélicoptère qui n'était pas là et que vous confirmez ce que je disais, que c'était un système à rotor, un système notard. Voilà, donc avec un hélicoptère qui a qu'une seule hélice et qui n'en a pas à l'arrière. Et donc le modèle le plus ressemblant, c'est celui que m'a donné un breaker, donc je ne me rappelle plus son pseudo, mais merci à toi Poto, qui est donc le MD902. Voilà. Et donc, c'est. Ah bah, écoutez, après, il est sympa. Est-ce que. Nous, celui-là qu'on a sur l'image du trailer semble un peu plus carré, peut-être. Ou peut-être il est blindé. C'est peut-être un hélico de flic, parce qu'en fait, j'ai regardé, il y a beaucoup d'hélicos de flic qui sont avec ce modèle-là. Donc, il se pourrait que ce soit un véhicule. Un hélico de flic ou de l'IA, d'ailleurs. Ce serait pas impossible, vu comme il est noir. C'est possible que ce soit un hélico de l'IA. À voir, on verra bien. Mais en tout cas, c'est un tout nouvel hélico, ça c'est sûr. Ensuite, pour les armes, on reviendra dessus rapidement dans une autre vidéo, parce que là, on va se concentrer que sur les véhicules, bien évidemment. Bon, maintenant pour finir la vidéo, je vous propose de faire un tour avec chaque véhicule. Donc, je vais couper le micro, je vais juste vous laisser kiffer. Voilà. Donc, alors attention, je précise, ce sera probablement pas les mêmes bruits des véhicules, les intérieurs non plus. Et les extérieurs, vu que c'est des véhicules IRL que j'ai fait spawn, je préfère le préciser comme c'est important, ils seront peut-être pas physiquement pareils en termes de carrosserie, ils vont peut-être pas ressembler exactement à ce qu'on voit là sur l'écran, ok? C'est vraiment juste pour se donner une idée, un petit kiff avant mardi, histoire de vous donner un petit peu à manger, comme on dit, quoi, de vous faire plaisir et de vous faire kiffer, quoi, tout simplement, parce que moi j'aime parler des voitures, j'aime vous montrer les véhicules des DLC à chaque fois. Vous savez que j'aime ça, d'ailleurs j'ai fait une série autour des voitures, donc forcément je kiffe ça. Et donc voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo. Donc moi je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le pouce du soutien et à dire en commentaire tout ce que vous en pensez. À vous abonner en activant la cloche des notifications si vous voulez pas rater les prochaines vidéos sur le DLC qui arriveront donc à partir de mardi avec un live, mais on reviendra dessus en fin de semaine. Et puis la vidéo sur les armes, il y a d'autres vidéos qui vont arriver encore. Et puis à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, si jamais il y a d'autres infos qui sortent dans les après-midi qui arrivent. Je pense que là on est servi, qu'il n'y en aura pas d'autres, mais bon. Voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo et je vous dis à très vite sur TGS Rockstar Club. Ciao!